Let's go, on enchaîne les tutos, on fait le freestyle cafardinho. On est là, toujours sur train aujourd'hui, et on va travailler la pression sur le IV, la toxique. Donc j'ai fait le pop, j'ai fait le B, j'ai fait le T-main aussi. Maintenant on va travailler cette zone-là, le IV, comment la prendre un peu en mode safe. Donc déjà les mecs vont vous smoker, etc. en général et tout. Si vous smoke pas, c'est que potentiellement il y a peut-être une AWAP et tout ça, donc n'hésitez pas à venir ici et à tirer là-dedans, les balles passent. Voilà, je tiens à le préciser, ça fait pas de dégâts, hein. C'est vraiment fait juste pour faire tirer. Voilà, c'est fait juste pour mettre la pression pour que la WAP tire, que vous ayez l'info, ou vous venez sur le truc ici, un qui saute la ligne, l'autre qui décale, enfin voilà, des trucs comme ça. Soyez pas naïfs. Voilà, le but c'est de passer à gauche de la map comme ça ici, et le principe, c'est la flèche, d'accord? Donc, smoke, flèche, on court très longtemps. Et on jette ça à smoke. Voilà, ça fait smoke à gauche. Ok? Donc, on court très longtemps, la flèche, on court et on jette. Et après, la mollo, la flèche encore ici. Et on jette la mollo. Voilà, ça vous bloque totalement la droite et la gauche. Ensuite, vous mettez une flash à la balle des couilles comme ça. Vous clearez votre contact, vous clearez encore une fois votre contact, vous avez pris votre zone. Après, vous pouvez rester un petit peu safe ici, d'accord? Donc, ça a l'air d'être une pause un peu bourbier, mais c'est une pause qui est vraiment très bonne dans le sens où vous pouvez garder votre ligne ici. Et pour vous faire pique ici, en fait, regardez, il faut que le mec vienne jusque là pour vous voir. Ça veut dire que concrètement, si vous avez des mecs derrière vous qui gardent la ligne là, le mec, il faut qu'il vienne genre jusque là pour venir vous chercher. Donc, si vous avez un pote qui est juste là à prendre la ligne avec vous, bah il y a un automatique kill qui va partir et enfin vous allez le punir quoi, vous allez le punir. Donc voilà, je vous remontre encore le move pour mettre la pression à vie. Flèche, smoke, flash. Pour flasher la balle loin. Voilà, vous tirez votre contact là. La flash c'est pour ici, c'est ça qui est important, d'accord? C'est surtout lui qu'il faut blanc. Parce que le mec contact, lui, il est dans la merde, c'est décale. En plus, vous avez une décale à droite à jouer, décale patin, roulette, ce que vous voulez. Lui, vous lui éclatez sa mère. Et après, lui, c'est pareil, vous lui éclatez sa mère, d'accord? Faut pas trop en mettre non plus. Voilà. Moi, je le fais même. En réalité, je le fais même sans flash. Moi, je fais même juste ça en général. Voilà, je saute pour bien prendre l'info. Parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a des mecs qui ont des lignes à la WAP comme ça, qui voient la mollo arriver, qui restent un peu dans la mollo, qui font le pic et qui s'en vont. Donc pour éviter ce genre de choses aussi, voilà, je vous préviens, soyez un peu malin. La smoke est partie, vous prenez votre mollo, vous sautez, vous l'avez vu, vous avez mis votre mollo, vous attendez un peu, vous attendez un peu, vous attendez un peu, et là vous y allez. Voilà. Hop. Voilà. Et après, par exemple, si vous avez économisé votre flash, bah, vous pouvez tout simplement flasher dans votre smoke après sur la gauche, des trucs comme ça, voilà. Proposer, déjà vous avez pris le IV, vous avez mis une grosse pression. Si vous êtes deux, bah là c'est encore mieux. Après vous pouvez smoker la droite comme ça et aller challenge un peu la gauche, prendre l'ancien BP, peut-être faire une split B, aller vers le B. Voilà, comment mettre la pression un peu sur le IV avec juste une smoke, une mollo déjà. Bah, c'est comme ça. Et si vous voulez une flash intéressante pour prendre votre IV, genre si vous avez peur un petit peu, vous visez la tache noire ici. Quand vous courez, vous commencez votre round là, comme ça. Vous flashez. Vous sautez et vous faites votre prise directe, etc. etc., etc. Voilà, j'espère que ça vous a fait kiffer. Laissez un gros like. Et merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent. Les réseaux sociaux sont en description. Tout follow est grandement apprécié. Big up à tout le monde.